Frère, sœur, bonjour, son plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 25 octobre pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Juste avant de nous commencer, nous invitons vous capables baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans ciel là, merci pour grâce ou, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour nouvelle journée ça que accordé nous. C'est pas bon nous bon, c'est pas digne nous digne, mais on fait nous grâce Seigneur. Alors que nous voulons étudier parole ou n'a demandé pour capable imprégner nous de cet esprit ou, de manière à ce que nous capable comprendre et mettre en pratique tout ça que nous pral étudier matin avec nous dirigez nous pas bon pas dire mais c'est une prière nous petit tout Jésus qui vit qui est en siècle des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois chers frères et sœurs, jeudi à c'est mercredi 25 octobre. Titre leçon c'est la mission d'Abraham. Mission Abraham. Eh bien, demandez nous pour lire Genèse 19 verset 1 à 29. Et demandez-nous qui résultat esprit d'hospitalité, d'amour et de prière Abraham lui-même li gagné. Qui résultat et hospitalité, l'amour avec prière d'intercession que Abraham lui-même l'ité et fait à l'endroit de mon Sodome et Gomorrhe, qui résultat qu'il gagné. Eh bien, texte en Libanon, il y a une indication intéressante sous position l'eau dans ville Sodome. Non vite pour qu'abli texte ça. Tout chapitre là, disons, et Genèse 19, du verset 1 au verset 29, qu'on soit capable de comprendre le son pi bien. Eh bien, là, nous lit texte, nous voyons que l'eau lui-même, l'ité chita dans l'entrée ville là. L'ité chita à la porte de Sodome. C'est ça, Genèse 19, verset 1 dit. Ça signifiait, ça voulait dire que, et l'eau, c'est un monde qui était important dans la ville là. Ok? Parce que nous capables, ouais, l'ité, yon officier public, et nous pas connait qui fonction te gagné peut-être il était capable bien officier public mais nous ouais ça fait nous dit ça c'est parce que chita n'importe ville là son privilège que officier ou te gagné que juge ou te gagné que roi ou te gagné selon 2 Samuel 19 verset 8 selon Jérémie 38 verset 7 selon 8 verset 4 ou 4 verset 1er. Eh bien Genèse 19 c'est tant qu'il y a un parallèle avec chapitre 18 là. Et nous voyons que dans chapitre 18 là, Abraham te gen des anges qui te visité là. Et mais Abraham avec l'eau, yo te chita, yo tous les deux rentré. Abraham te chita nan rentré et Kaili ou bien nan rentré Totli. L'eau lui-même dit te chita nan rentré porte ville là. OK? Donc on voit ça dans Genèse 18 verset 1er et Genèse 19 verset 1er. Abraham et Lo, yo tous les deux te gen des étrangers qui te a visité yo et yo te permettre que étrangers ça capable rentrer la caillou et noue que yo te préparé nourriture pour étrangers ça. Ça dit ni Abraham ni Lo yo te utilisé ça relé hospitalité. Eh bien, quel que soit défaut que Lo te capable gagner, mais Lo c'est un monde qui te gagné de bonnes habitudes par rapport à façon noue que il te traité invité lui. Eh bien, on dit nous que l'Éternel a te fait la pluie, on la pluie et de soufre et de du feu descend dans celle-là et il te détruit Sodome ensemble avec Gomorrhe. Eh bien, ouais, ville ça yo te détruit et plaigno tout habitant dans ville ça yo et toute plante qui te gagne dans ville ça yo. Selon Genèse 19 verset 24 et 25. Nous pas connait contre qui quantité moun qui t'a vivre dans ville Sodome avec Gomorrhe. Mais et nous capable connait combien moun qui t'est sauvé parce que texte a dit nous combien moun qui t'est sauvé. Eh bien parmi des milliers de moun qui capable t'est et à vivre dans Sodome et Gomorrhe, c'est seulement 4 qui t'est quitté ville là. Et parmi 4 qui t'est quitté ville là, c'est seulement toi qui t'es sauvé. Nous songeons que Jamadan dans l'eau t'es transformé en statue de sel parce qu'il t'est viré, gardé derrière. Et mais c'est le même bagarre qui t'est passé dans le moment déluge là. Nous pas connaît combien quantité de monde qui t'est gagné sous terre à l'époque, mais nous connaît combien de monde qui t'est sauvé. Et bien, dis-nous le fait que, et c'est un petit nombre de monde et un petit nombre d'habitants de Sodome qui t'est arrivé sauvé. Et ça a des implications pour mission nous journée jodi a. Ça montre nous que c'est pas tout monde qui a sauvé chers frères et sœurs. Nous t'a aimé que tout monde sauvé. Nous t'a aimé que tout monde accepte Jésus.
Eh bien, plan ça lui c'est pour tout le monde. Mais chaque monde gagne ça relé le libre arbitre la caillou. Ou gagne prêcher l'évangile en puis on monde ni même ni décider pas attendre. Tâche pas nous, travail pas nous, c'est pour inviter autant de personnes possibles pour capable choisir Jésus. Tâche nous c'est pour nous capable prêcher l'évangile côté nous passer. Et bien pendant nous à accomplir mission nous, bon Dieu lui-même l'a assisté nous par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit de Dieu pas jamais aller au-delà de la volonté de quiconque. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu pas qu'à forcer un monde à prendre l'évangile, il pas qu'à forcer un monde converti. Et la conversion c'est une question de libre arbitre, de libre choix. Faut que c'est monde qui choisit ça. Libre arbitre signifie qu'en fait compte peu importe que ça nous fait, peu importe combien nous prier, ça lui hein, il dépend de choix personnel de chaque monde. Eh bien, il pose une question pour finir, il dit comment pouvons-nous apprendre à ne pas nous décourager si nous voyons pas le genre de résultat que nous attendions alors que nous accomplissons la mission? Eh bien, nous voyons que il y a plein de monde qui toujours pensait les croisades faites et croisades prêchées dans l'église là. Il a toujours pensé que si pas grand pile baptême, croisade n'a pas réussi. Non, chers frères et sœurs. Pas oublier que ou même ou là pour prêcher l'évangile, souvent on dit comme ça, ah c'est parce que moun yo pas sanctifié qui fait nous pas grand pile baptême. Chers frères et sœurs, et c'est pas ça que lié. Ou même ou gagner pour prêcher l'évangile. Eh bien, le Saint-Esprit lui-même est là pour convaincre moun yo pour convertir. Mais pendant que le Saint-Esprit est là pour le convaincre, il n'est pas là pour lui forcer mon Dieu tout, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu lance un appel pour mon Dieu capable de délivrer, un appel pour capable accepter le salut. Mais en fin de compte, c'est eux-mêmes qui a pris le choix, parce que le choix lui-même est personnel. Eh bien, chers frères et sœurs, nous voyons que le salut est personnel. Nous voyons que titre son roi, c'est la mission d'Abraham. Eh bien, nous voyons que Abraham a accompli mission. Dans Genèse 18, nous Abraham t'est intercédé pour les habitants de Sodome et de Gomorre. Nous voyons que Abraham l'était plaidé avec Dieu. Côté que lui t'est dit Seigneur, est-ce que tu as joué 50 moun, est-ce que tu as détruit ville là? Si tu as joué 45, est-ce que tu as détruit ville là? Li aller li descend la descend. C'est parce que Abraham t'a une compassion dans cœur. Et mais c'est de même, je ne josien. Une façon pour exercer la compassion, c'est à travers la prédication de l'évangile. Chaque fois, nous prêcher l'évangile, c'est dit, et pour bon Dieu, camper toujours les malheurs qui viennent priver sur cette terre, camper toujours son avènement, camper toujours les fléaux qui viennent pour abattre sur cette terre avant sa venue. Eh bien, c'est ça que nous dit les nous-mêmes nous prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est parler n'a parler avec Dieu pour nous dire que eh bien nous t'a remis tout le monde sauvé. Mes chers frères et sœurs, pas baïté tout problème parce que en fin de compte le salut lui dépend de chaque grand monde. On nous fait travail nous, on nous proclamer l'évangile parce que c'est mission ça que nous gagnons. Mais c'est comme ça nous présentons le son matin hein? Juste avant nous terminer, nous invitons pour capable baisser tête pour prier. Éternel Dieu papa nous qui dans celle-là, merci. Parce qu'on relève nous à mission ça, une mission qui noble, une mission Seigneur Dieu que nous pas qualifié pour lui, mais Seigneur Dieu n'a demandé pour capable armer nous de courage, armer nous Seigneur Dieu de toutes les âmes de l'esprit de manière à ce que Seigneur Dieu nous pas lasser prêcher l'évangile Seigneur, nous pas voulez lasser, nous pas voulez camper dans route, mais nous voulez comme des vaillants soldats pour nous goumer jusqu'au bout. Seigneur, aidez-nous comprendre que nous devons prêcher l'évangile. Et que le Saint-Esprit lui-même l'a pas agi. Avec nous dirigeons, nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est notre petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. Merci parce que toujours étudier avec nous chaque matin. Nous invitons vous à partager le son, ça y est, ensemble avec l'autre monde de manière à ce que vous-même, tu es capable d'étudier. C'était fort. Ismaël chéri, que bon Dieu bénisse.